Nous sommes réunis aujourd'hui, en ce 18 avril 2019, pour rendre hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris et à toutes celles et ceux qui l'ont sauvée. Si les grandes orgues ont fait vibrer la nef de la cathédrale, c'est au son du violoncelle que s'ouvre cette cérémonie sur le parvis de l'hôtel de ville. Armand Squerot interprète le prélude de la première suite de Jean-Sébastien Bach. Chanteurs, écrivains ont été inspirés de tout temps par la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais Victor Hugo est certainement celui qui lui consacre le plus grand nombre de pages. Nicolas Lormeau de la Comédie Française et l'actrice et comédienne Isabelle Carré nous lisent à présent quelques extraits issus du livre 3 et du livre 10. Sans doute c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris. Respect pour Charlemagne qui en avait posé la première pierre, pour Philippe Auguste qui en avait posé la dernière. Vaste symphonie en pierre, pour ainsi dire, œuvre colossale d'un homme et d'un peuple. Tout ensemble une et complexe, comme les Iliades et les Romanceros dont elle est sœur. Produit prodigieux de la cotisation de toutes les forces d'une époque où, sur chaque pierre, on voit saillir en cent façons la fantaisie de l'ouvrier discipliné par le génie de l'artiste. Sorte de création humaine, en un mot, puissante et féconde comme la création divine
dont elle semble avoir dérobé le double caractère, variété, éternité. Tout se tient dans cet art venu de lui-même logique et bien proportionné. Mesurer l'orteil du pied, c'est mesurer le géant. Notre-Dame de Paris n'est point du reste ce que l'on peut appeler un monument complet, défini, classé. Ce n'est plus une église romane, ce n'est pas encore une église gothique. Cet édifice n'est pas un type. Notre-Dame de Paris n'a point, comme l'abbaye de Tournus, la grave et massive carrure, la ronde et large voûte, la nudité glaciale, la majestueuse simplicité des édifices qui ont le plein cintre pour générateur. Elle n'est pas, comme la cathédrale de Bourges, le produit magnifique, léger, multiforme, touffu, hérissé, efflorescent de l'ogive. Impossible de la ranger dans cette antique famille d'églises sombres, mystérieuses, basses et comme écrasées par le plein cintre. Impossible de placer notre cathédrale dans cette autre famille d'églises hautes, aériennes, riches de vitraux et de sculptures, aiguës de forme, hardies. Notre-Dame de Paris n'est pas de pure race romaine comme les premières, ni de pure race arabe comme les secondes. C'est un édifice de la transition. L'architecte saxon achevait de dresser les premiers piliers de la nef lorsque l'ogive qui arrivait de la croisade est venue se poser en conquérante sur ces larges chapiteaux romans qui ne devaient porter que des pleins cintres. L'ogive, maîtresse dès lors, a construit le reste de l'église. Cependant, inexpérimentée et timide à son début, elle s'évase, s'élargit, se contient et n'ose s'élancer encore en flèche et en lancette comme elle le fait plus tard dans tant de merveilleuses cathédrales. On dirait qu'elle se ressent du voisinage des lourds piliers romans. Chaque face, chaque pierre du vénérable monument est une page, non seulement de l'histoire du pays, mais encore de l'histoire de la science et de l'art. Ainsi, pour n'indiquer ici que les détails principaux, tandis que la petite porte rouge atteint presque aux limites des délicatesses gothiques du XVe siècle, les piliers de la nef, par leur volume et leur gravité, reculent jusqu'à l'abbaye carlovingienne de Saint-Germain-des-Prés. On croirait qu'il y a 6 siècles entre cette porte et ses piliers. Cette église centrale et génératrice est parmi les vieilles églises de Paris une sorte de chimère. Elle a la tête de l'une, les membres de celle-là, la croupe de l'autre, quelque chose de toutes. Nous le répétons, ces constructions hybrides ne sont pas les moins intéressantes pour l'artiste, pour l'antiquaire, pour l'historien. Elles font sentir à quel point l'architecture est chose primitive. En ce qu'elle démontre, ce que démontrent aussi les vestiges cyclopéens, les pyramides d'Égypte, les gigantesques pagodes hindoues, que les plus grands produits de l'architecture sont moins des œuvres individuelles que des œuvres sociales. Plutôt l'enfantement des peuples en travail que le jet des hommes de génie. Le dépôt que laisse une nation. Les entassements que font les siècles. Le résidu des évaporations successives de la société humaine. En un mot, des espèces de formation. Chaque flot du temps superpose son alluvion. Chaque race dépose sa couche sur le monument. Chaque individu apporte sa pierre. Ainsi font les castors. Ainsi font les abeilles. Ainsi font les hommes. Le grand symbole de l'architecture, Babel, est une ruche. Les grands édifices sont comme les grandes montagnes. Ils sont l'ouvrage des siècles. Souvent, l'art se transforme, qu'il pende encore. Il se continue paisiblement selon l'art transformé. L'art nouveau prend le monument où il se trouve, s'y incruste, se l'assimile, le développe à sa fantaisie et l'achève, s'il peut. La chose s'accomplit sans trouble, sans effort, sans réaction, suivant une loi naturelle et tranquille. C'est une greffe qui survient, une sève qui circule, une végétation qui reprend.
Certes, il y a matière à bien gros livres et souvent histoire universelle de l'humanité dans ces soudures successives de plusieurs arts à plusieurs hauteurs sur le même monument. L'homme, l'artiste, l'individu s'efface sur ces grandes masses sans nom d'auteur. L'intelligence humaine s'y résume et s'y totalise. Le temps est l'architecte, le peuple est le maçon. Statues, vitraux, rosaces, arabesques, dentelures, chapiteaux, bas-reliefs, elle combine toutes ses imaginations selon le logarithme qui lui convient. De là, la prodigieuse variété extérieure de ces édifices, au fond desquels réside tant d'ordre et d'unité. Pardonnez-moi si, avec ce texte, je ravive vos mauvais souvenirs, ce feu terrible et si destructeur d'il y a 3 jours. Mais Victor Hugo nous donne ici la mesure de ce que les pompiers ont dû affronter dans une vision tristement prémonitoire. Nous voulions encore une fois, à travers la voix de celui qui a le mieux glorifié et peut-être aimé Notre-Dame, dire notre reconnaissance et saluer leur courage. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les 2 clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau de fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, 2 gouttières en gueule de monstre vomissait sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. À mesure qu'il s'approchait du sol, les 2 jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbe comme l'eau qui jaillit des 1000 trous de l'arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait 2 faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblait plus grande encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elle projetait jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres, ainsi réveillés de leur sommeil de pierre, par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu'on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher, comme une chauve-souris devant une chandelle. Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Christophe Castaner, cher Patrick Chauvet, monseigneur, recteur de Notre-Dame de Paris, cher Bertrand Delanoë, cher Jean Tilbéry, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le procureur de Paris, cher Rémi Heitz, Madame la procureure générale près de la Cour d'appel de Paris, chère Catherine Champrenneau. Monsieur le procureur général près de la Cour de cassation, cher François Molins. Monsieur le préfet de police, cher général Jean-Claude Gallet, commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Messieurs,
les représentants des cultes, mesdames et messieurs les élus de Paris, parlementaires, maires d'arrondissement, conseillers de Paris, conseillers des arrondissements, adjoints au maire, monsieur le président de la métropole du Grand Paris, cher Patrick Ollier, je veux saluer aussi tous les maires de la métropole du Grand Paris, madame la présidente du conseil régional d'Île-de-France, chère Valérie Pécresse, et l'ensemble des conseillers régionaux, monsieur le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques à Paris, cher Tony Estanguet, mesdames et messieurs les protecteurs du patrimoine, mesdames et messieurs les bénévoles de la Croix-Rouge et de la protection civile. Chères Parisiennes, chers Parisiens, chers amoureux de Paris, chers amis, notre cœur a été touché. Le cœur géographique, culturel et spirituel de notre ville, autour duquel elle s'est construite siècle après siècle. Le cœur symbolique aussi de notre pays, d'où partent toutes les routes de France et où mènent aujourd'hui toutes les pensées. Le cœur historique de l'Europe, qui sonna ici la libération d'un continent après la plus grande tragédie qu'il eut à traverser et qui la fit entendre au monde entier. Je ressens, comme vous, de la tristesse, mais aussi de la reconnaissance. De la tristesse de ne plus pouvoir entendre aujourd'hui l'âme de Paris résonner dans les artères du grand orgue de Notre-Dame. Notre-Dame qui veillait du haut de sa flèche à l'unité de notre ville et qui, de son carillon, reconnaissable entre tous, donnait le « la » des réjouissances collectives, dictait le recueillement des chagrins partagés. De la reconnaissance aussi, de la reconnaissance aux pompiers, cher général Gallet, vous avez sauvé, au risque de périr, vous avez sauvé une part de nous-mêmes. Parisiens, je vous ai vu en action, vous les soldats du feu. Nous avons vu votre courage sans limite, votre détermination sans faille. Nous avons vu ce moment où vous avez décidé de prendre tous les risques pour sauver Notre-Dame. Une œuvre de l'humanité. Nous vous avons vu monter au feu malgré les dangers pour vos vies. Et je veux ici vous dire notre gratitude infinie, notre reconnaissance éternelle, et je proposerai au prochain Conseil de Paris que vous soit accordée la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris pour honorer cet acte de bravoure, mais aussi votre engagement au quotidien. Cette semaine sainte, je veux également partager la peine des catholiques de Paris, de France et du monde. Vous avez cru voir partir en fumée des siècles de notre histoire, des objets d'une valeur inestimable, un lieu sacré, rencontre de la grâce indicible et du génie humain. Mais je veux croire que vos prières ont été entendues, mon cher Monseigneur Chauvet. Grâce au courage des pompiers, à la mobilisation de tous, des policiers de la préfecture de police, des agents de la ville, en particulier ceux qui ont assuré la mise en sécurité des œuvres d'art aux côtés des équipes du ministère de la Culture. Les trésors de Notre-Dame ont pu être préservés. C'est une immense fierté pour nous que d'avoir pu les accueillir ici. Pendant une nuit, à l'hôtel de ville de Paris, c'est un très beau signe de la coopération qui va au-delà de tout, entre une institution religieuse et une municipalité
un pouvoir local, laïque. Parce que le rayonnement de Notre-Dame va bien au-delà des religions, au-delà de Paris, au-delà de la France. Et ce soir-là, c'est le monde entier, uni dans une commune émotion, qui pleurait ce feu qui défigurait l'idée même de beauté. Notre-Dame de Paris est à tous. Notre-Dame de Paris est à chacune et à chacun. Elle est le point de concorde de la République et du sacré. On y chanta la victoire des Alliés le 17 novembre 1918. De Sadi Carnot à François Mitterrand, des messes au président défunt y ont été célébrées. Le 24 août 1944, des cloches sonnèrent fièrement la libération de Paris et furent entendues dans le monde entier. Notre-Dame est une maison commune, un lieu d'histoire où se reconnaît et se retrouve le peuple de Paris, le peuple de France. Notre-Dame est notre voisine. C'est des fenêtres de mon bureau de l'hôtel de ville que j'ai vu jaillir les premières flammes du toit de la nef. Je me suis aussitôt rendue sur les lieux aux côtés de Monseigneur Chauvet et j'ai vu sur les visages le chagrin infini des Parisiennes et des Parisiens qui sont venus eux aussi immédiatement au chevet de celles qui nous accompagnent depuis des siècles. Je veux leur dire, je veux vous dire, notre cœur a été touché mais il bat encore. Et de notre devise, nous tirerons la force de nous relever, fluctuat net mergitur. Si l'histoire de Paris se lit dans les pierres de Notre-Dame, elle s'écrit bien sûr aussi dans la mémoire des Parisiennes et des Parisiens. Et cet incendie nous montre à quel point notre histoire est fragile, à quel point notre mémoire doit être forte face à ce drame. L'histoire n'est pas que de pierre, elle est aussi d'esprit et de mémoire. Et le devoir des Parisiennes, des Parisiens, des Françaises, des Français, des citoyens du monde entier sera de reconstruire ce symbole de la France et ce symbole de Paris. Notre réaction doit d'ailleurs être à la hauteur de l'émotion que nous avons tous ressentie. Cet horrible accident nous a fait prendre conscience que la cathédrale était notre trésor national. Un trésor qui est encore debout et qui voit à ses côtés un peuple qui se lève pour sa reconstruction. Ce temps de la reconstruction doit être, oui, celui de l'union. Un moment où chacune et chacun donne ce qu'il a, où chacune et chacun fait ce qu'il peut, où chacune et chacun dit ce qu'il ou elle ressent. Un moment pour se réapproprier notre histoire, pour se rappeler qui nous sommes. Un peuple lié par son passé et uni pour son avenir. Chères Parisiennes, chers Parisiens, chers amoureux de Paris, notre cœur a été touché, notre cœur bat encore. Demain, notre cœur battra plus fort. Je vous remercie. Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Chère madame, merci pour tous ces mots. Je voudrais dire au nom de l'archevêque de Paris, au nom de ses évêques auxiliaires, au nom des chapelains qui sont et qui m'entourent, au nom de tous les salariés de la cathédrale, au nom de tous les Parisiens, de tous les fidèles de la cathédrale, mais aussi de toutes celles et tous ceux qui venaient simplement pour voir la cathédrale, la beauté de la cathédrale. Croyants ou non, ils venaient du monde entier. Cette cathédrale était aussi leur maison. Ils ont
priait, parfois tournait un peu vite, mais parfois il s'asseyait, pour avoir un peu de paix, pour écouter la maîtrise, pour écouter l'orgue, pour participer à une liturgie. Je disais souvent que notre cathédrale, c'est la cathédrale de Paris, c'est le cœur de la France et au-delà. C'est la cathédrale du monde. En tout cas, je m'en suis rendu compte. Je n'ai pas fait de discours, car depuis lundi soir, vous imaginez bien que je suis très fatigué. Je suis recteur de la cathédrale. C'est quelque chose d'inouï, c'est que la cathédrale aujourd'hui, eh bien, voilà, elle est toute seule, abîmée. Et ça me fait naturellement quelque chose d'être recteur d'une cathédrale qui est partie aux flammes. Mais j'ai tellement été touché par les témoignages, par le travail merveilleux des pompiers, par la présence de Madame la maire, la présence du ministre, du président, qui m'ont soutenu, car c'est terrible de voir et qu'on ne peut rien faire, on ne peut que prier, c'est tout ce que je pouvais faire. Je voulais vraiment encore dire un grand merci. Le recteur n'a plus de cathédrale pour l'instant, mais il a encore quelque chose dans le crâne, et il va essayer d'inventer quelque chose, et je suis sûr que vous m'encouragerez et vous m'aiderez. Merci. Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Mon général, permettez-moi, avant tout protocole, de modifier ce que nous avons souvent fait côte à côte depuis que j'ai l'honneur d'être ministre de l'Intérieur, que je vous ai accompagné sur des interventions, je vous ai toujours écouté. Permettez-moi d'utiliser mon pouvoir d'autorité pour inviter les pompiers qui sont là, que vous avez choisis pour représenter les pompiers de Paris, de monter avec nous. Monseigneur, mon général, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs les ambassadrices, ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre, mesdames et messieurs, il était 18h50 quand l'alarme a sonné. 7h était celle du drame, des larmes, des flammes. Il était 18h50 quand l'alarme a sonné. Pour eux, pour tous les sapeurs-pompiers de Paris, c'était l'heure du devoir.
C'était l'heure du courage. Alors, près de 500 sapeurs-pompiers de la brigade et des 10 voisins sont intervenus sous vos ordres, général Gallet. Ils sont intervenus sans faiblir, sans frémir. Ils ont été plus qu'exemplaires, plus qu'héroïques. Ils ont été portés par les applaudissements des Parisiens, l'espérance des Français, les prières des croyants, les vœux venus du monde entier. Il était 21h30. Le vent soufflait. L'incendie s'était propagé, la flèche s'était effondrée. Du haut de la tour nord, des flammes. Des flammes, une température de 800 degrés. Un vent défavorable. Attendre quelques secondes de plus, c'était risqué de voir la cloche tomber. Attendre quelques secondes de plus, c'était risqué de voir les tours et la façade s'effondrer. Alors, ils ont continué à combattre le feu sur le toit et se sont engagés dans les tours. Ils ont risqué leur vie pour préserver Notre-Dame. Ils sont allés au-delà du devoir, car seule la mission comptait. Il est 2h du matin, le feu est éteint, Notre-Dame est debout. Il est 2h du matin et après des heures de combat, les sapeurs-pompiers de Paris ont sauvé Notre-Dame. Mais avec la cathédrale, c'est Paris. C'est notre mémoire, c'est notre histoire, c'est le patrimoine de l'humanité qu'ils ont sauvé. C'est un exemple au monde entier qu'ils ont donné à admirer. On ne rendra jamais, jamais, jamais assez hommage aux sapeurs-pompiers qui ont agi ce soir-là. Et toute leur vie, ils pourront dire fièrement « J'étais à Notre-Dame ». Avec eux, à leur côté, des militaires, des policiers, des associations de sécurité civile, des personnels de la préfecture de police comme du ministère de la Culture, des personnels de la ville de Paris étaient là. Ils étaient au premier rang. Ils ont prodigué des conseils, sécurisé le secteur, sauvé le trésor, des œuvres d'art, la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis. Merci, merci à eux aussi. Je veux dire qu'ils sont des héros de Notre-Dame. À eux aussi, je veux dire ma gratitude et celle de la nation. Aujourd'hui, nous sommes réunis, liés par l'admiration, liés par la reconnaissance, liés aussi par l'espérance. Car aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous parler de larmes. Ce que nous vivons est au-delà. Je n'ai pas envie de vous parler de ces flammes. Elles n'ont pas gagné. Elles ne gagneront pas. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce que je vois, seulement de ce que je vois, la force, le courage, l'espoir. Notre-Dame a tenu, elle a tenu bon. 850 ans d'histoire ont tenu bon. Ses clochers sont intacts, ils se dressent encore dans le ciel de Paris. Ces cloches se taisent aujourd'hui, mais viennent à leur secours 1000 bourdons à travers la France, à travers le monde. Notre-Dame, c'est ce lieu de prière, c'est ce lieu de recueillement pour tant de croyants. Mais Notre-Dame, c'est plus encore que cela. C'est le couronnement de Napoléon, le Magnificat, pour célébrer la libération. Ce sont les tableaux de Chagall, les vers de Nerval, les amours de Quasimodo. Notre-Dame appartient à tous les Français, appartient au monde entier, alors elle se redressera. Depuis lundi soir, parcourir les rues de Paris, arpenter les quais de la Seine, c'est sentir le recueillement, le silence. Mais c'est sentir aussi la détermination. C'est voir une ville, un pays qui fait corps avec son histoire, avec l'humanité. C'est sentir ce souffle de générosité, de partage qui nous touche et nous oblige. C'est comprendre ces vers d'Aragon dans La Rose et le Réséda.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras. Et tous les deux disaient qu'elle vive et vivra verra. Alors, aujourd'hui, nous entendons l'appel des Français, l'appel des Parisiens, l'appel de tous ceux au travers du monde qui sont touchés. Nous n'avons pas de temps à attendre. Nous n'avons qu'un devoir, celui de retrousser nos manches. Ensemble, unis, forts, nous rendrons alors à Paris sa cathédrale, nous rendrons à l'humanité son symbole de paix, d'histoire et de liberté. Que vive Notre-Dame, que vive la République, que vive la France. Notre cérémonie va s'achever comme elle a commencé, au son du violoncelle. Armand Squero nous interprète maintenant le prélude de la suite numéro 3 de Jean-Sébastien Bach.
Notre cérémonie est maintenant terminée. Nous vous remercions toutes et tous pour votre nombreuse participation aujourd'hui. Merci à tous. Thank you.